Comme l'exige le code d'honneur ancestral des pirates, je te remets officiellement la clé. Désolé. Il est à toi. Scotty, t'oublieras pas ton perroquet en partant. Beau travail, Scotty. On a réussi. Capitaine, je suis vraiment désolée pour votre bateau, mais il vous reste toujours votre carte. On peut partir à la chasse au trésor. Non, désolé, Moussaillon. Je crois que c'est mieux si je pars plutôt chercher le trésor avec Scotty. Je croyais que vous aviez besoin de notre aide. Oh, eh bien, je te remercie, mais plus maintenant, mon garçon. Au revoir, oui, oui. Au revoir. Oh, oui, oui, enfin te voilà. Ouf, il faut absolument que tu rentres tout de suite à Miniville. Quelque chose ou quelqu'un est venu à Miniville cette nuit et a... Oh, tu vas voir, c'est un désastre. Les maisons sont abîmées, des réverbères sont même renversés. Renversés? Le bateau de Tina aussi a été renversé. Peut-être que le capitaine nous a dit la vérité et qu'il a vraiment vu un monstre cette nuit. Comment? Un vrai monstre? Oh! Qu'est-ce que tu en dis, mon garçon? Tu crois que c'est vraiment un monstre qui a fait ça? C'est possible. Ces marques ressemblent à des griffures. Celui qui a fait ça devait être très très fort. Qui au pays des jouets est très fort et a pu faire des griffures comme celle-ci? Whiz? Non. Deltoid? Non. Dinosaurus? Oui! Elle est très forte et elle a de longues griffes de dinosaure. Mais pourquoi Dinosaurus aurait-elle fait ça? Ça ne lui ressemble pas du tout. Je n'en sais rien. Il faut que j'aille lui parler. Où est-ce qu'elle est? Où est ma poule? Régis! Dinosaurus! Dinosaurus, est-ce que c'est bien toi? Tu as attrapé un rhume? Quand il est entré en volant à toute vitesse, il a renversé ses gros cristaux et a foncé sur ma dynamobile. Il voulait la couver. La couver? Hein? Oui, comme si c'était un vrai œuf. D'abord le gros lot qui était sur ma maison, et maintenant ta dynamobile. Pourquoi? Peut-être que le dragon a aussi cru que le gros lot était un œuf. Oui, c'est possible. Mais le galion de Tina aussi a été attaqué. Il ne ressemble pas du tout à un œuf. La boule de Tina! Est-ce que tu te souviens où elle l'a trouvée? Sur l'île des dragons. Oh, c'est un œuf de dragon! Il brille! Trésor droit devant! J'avais raison! Je le savais! Au nom d'une chambre de bois, la boule, mais où est-elle? Ah, ouf. Tiens, c'est bizarre. J'aurais juré qu'elle était plus lourde. Oui, bon, enfin, si ça se trouve, Woui avait raison, et ces trucs pointus sont peut-être des immeubles. Le trésor doit être à Bricaville. En route, Moussaillon! Mais alors, le capitaine dit la vérité depuis le début. C'est vraiment un dragon qui a renversé le bateau de Tina. C'est pour ça que la boule se met à briller dès qu'on s'approche de pièces d'or.
Parce qu'il y a un bébé dragon à l'intérieur. Oui. Et la maman dragon essaie de le récupérer. Et le capitaine est peut-être en grand danger. Oh non, on doit aller le prévenir. Mais oui, vite, dépêchons-nous. Il faut vite qu'on aille sauver mon Régis. Je rage, si ce vieux mollusque fisqueux trouvait le trésor. Arrivez en gare de Bricaville. Bon, alors voyons cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Vous pouvez pas faire moins de boucan? Mais pourquoi moi? Neuf des dragons. Oui, et nous devons le rendre à sa maman. Hein? Oh, mais dis donc, il est beaucoup plus léger qu'avant. Oui, hein, c'est ce que je me suis dit aussi. Hein? Oh non! Où est le bébé? Non, mais j'en sais rien, moi. J'ai pas vu le moindre bébé, promis. Peut-être qu'il a éclos pendant que vous regardiez ailleurs. Mais j'ai gardé l'œuf avec moi tout le temps. Sauf quand j'étais dans la forêt des contes et qu'il a accidentellement dévalé la grosse colline. Oh, super! Eh ben, bravo! Oh, c'est qui la grosse maligne qui est allée sur l'île des dragons et qui s'est pas rendu compte qu'elle avait pris un œuf? Peu importe! Maintenant, on doit retrouver ce bébé dragon et vite! Je vais aller le chercher. Pendant ce temps-là, vous deux, occupez la maman dragon jusqu'à mon retour. L'occuper? Mais comment? Vous pourriez l'attirer pour qu'elle vous suive en mer. Hein? Moi et... elle. Tous les deux? Non, pas question! Ah, bon, d'accord. Tiens, mais uniquement jusqu'à ce qu'on ait réglé ce problème de dragon. Youhou! Oh, tiens, Régis, c'est pour toi! Oh non! C'est ton œuf! Je te laisse! Je veux pas! Oh, mais quel est ce sortilège? Qu'est-ce de nous tourmenter, créature? Arrière, malivole! Fiche le camp! Ah, merci, mais chevalier! Oui? Vous avez trouvé le bébé dragon! Oh! Comme il est gracieux! Bonjour, bébé! Allez, viens, on va te rendre à ta maman! Alors, où est caché l'œuf? Où est-ce qu'il est? Là! C'est pas possible! Bon, allez, on l'a armé! La 13e fois sera peut-être la bonne!
travail, Tina. Merci, Régis. Au revoir, les dragons! Oui, au revoir, les dragons! Revenez vite! Scotty! Notre seule chance de trouver le fabuleux trésor du pays des jouets vient de s'envoler avec ces dragons. Je n'en suis pas si sûre. Coucou, Potiron! Oui, oui! Merci à tous d'être venus! Pourquoi nous as-tu demandé de venir? Parce que j'ai eu une idée! Deltoïde, tu crois que tu peux soulever ces gros cristaux pour dégager la voie? Quoi? Ces tout petits cristaux de rien du tout? Voici le fabuleux trésor du pays des jouets! Oh, beau travail, oui, oui. Comment as-tu su qu'il était ici? Les dragons se mettent à briller quand ils s'approchent d'un trésor. Et la maman dragon a brillé quand elle était ici. Alors j'ai compris que sur la carte, ce n'étaient pas des arbres ou des immeubles. C'était des cristaux. Tu as trouvé le trésor, oui, oui. Félicitations, matelot. Tu es un vrai pirate, maintenant. Merci, capitaine. Oh, j'imagine que vous voulez rester avec Tina. Après tout, c'est vrai, j'ai quand même perdu tout notre trésor. C'est vrai, capitaine. Mais Scotty, vous nous avez manqué. Bienvenue à bord, matelot. Mais je n'ai même plus de bateau maintenant. Oh. Si je suis la seule à avoir un bateau, quel intérêt? J'ai besoin d'un adversaire avec qui faire la course, pas vrai? Hurrah pour Tina la terrible! Et pour le vieux Mérou! Je veux dire le capitaine Régis. Hurrah pour oui oui! Le plus malin de tous les pirates! Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet or, moussaillon? Eh bien, je me disais qu'on pourrait peut-être le partager. Les pirates sur les sept mers, les meilleurs amis de la terre, avec toutes nos chansons et notre propre trésor. Ensemble, on navigue du sud au nord.